les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et j'y ai de la nouveauté aujourd'hui. J'espère que vous l'entendez. J'ai enfin reçu mes petites bonnettes en queue de chat. Les fameuses petites bonnettes en queue de chat que j'attends depuis un petit moment. Je les ai reçues, donc là ça devrait être mieux. J'espère. Je croise les doigts. Ah, j'y arrive pas avec les gants d'hiver. Oui, puisque nous sommes le 2 janvier aujourd'hui. Et j'en profite tout de suite pour vous souhaiter à tous mes meilleurs voeux pour l'année 2021. On espère qu'elle soit plus libre, on va dire, que 2020. Que cette année vous apporte tout ce dont vous avez besoin, envie, à vous et à vos proches. Et surtout, qu'on puisse rouler autant qu'on veut. C'est quand même là le principal. Qu'on puisse être libre, quoi. Bon, il y a plein de nouveautés, comme je disais, j'ai donc ici le Media Mode que j'ai reçu là, qu'on va tester, enfin que j'ai déjà commencé à tester. Je vais vous donner mon ressenti après quelques semaines d'utilisation. Et puis ici, c'est un stabilisateur pour ma caméra, pour ma GoPro Hero 3. J'en avais marre que ça bouge dans tous les sens. Et j'imagine que vous aussi, c'est pas agréable. Donc, plutôt que de racheter une caméra qui est quand même assez chère, j'ai réussi à trouver miraculeusement un stabilisateur. Pour 50 balles. 50 balles, je me suis dit quoi, je vais pas racheter une caméra à 350 euros, voire plus, qui m'offre le stabilisateur, si ça, ça peut faire l'affaire, d'autant que celle-ci, je vais la laisser sur la moto. Bon, je vais prendre mon mal en patience et je vais attendre derrière le bus, parce que ça passera pas là-bas. Donc, déjà trois nouveautés. Le Media Mode, le stabilisateur, les bonnettes au niveau du micro. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là je suis en train de tout faire pour que ce soit le plus confort pour vous. Parce que c'est quand même le but, que ce soit agréable pour les gens qui regardent quand même. Et puis pour moi aussi, de par ce fait, puisque si c'est agréable pour vous, ça l'est pour moi. Cirer les pompes, c'est tout un métier. C'est pas moi qui fais ce bruit-là. Qu'on soit bien d'accord, c'est le bus qui est devant. Allez, on va passer dans le centre de Tours, parce que j'adore le centre de Tours. Hop là, pardon madame. Putain, je l'ai pas vu arriver. Ah, faut avoir les yeux partout là. C'est pas gagné là. Ah non, toujours pas là. Allez, c'est parti pour le test de la petite bonnette en cul-de-chat. On va voir ce que ça donne. Normalement, quand je passe au-delà de 70 km/h, ça devient compliqué. Voilà, je baisse ma lisière. Et là, on est à 80. Waouh, la Loire est très haute. Normalement, si tout va bien, vous devriez entendre parfaitement ce que je dis sans avoir trop de vent. C'est une journée idéale pour rouler, c'est vraiment agréable. Il fait froid, oui, mais le soleil est là et du coup c'est super agréable. En tout cas voilà, je voulais vous remercier aussi pour les 100 abonnés qu'on a passé juste avant Noël.
100 abonnés, donc merci pour tous mes abonnés, les nouveaux, les anciens, les abonnés de la première vague, on va dire, avec qui j'ai échangé en tout premier, ceux qui m'ont motivé. Ah, il y a du sel sur la route. Ah, c'est pas engageant ça. Bon, normalement on est au-dessus de zéro, donc ça devrait aller. Voilà, aujourd'hui on a 145 abonnés, je crois, ou 143 ou 145 abonnés. Et ça augmente régulièrement. Donc je vais essayer de continuer à faire des vidéos qui vous plaisent, évidemment. Mais c'est assez incroyable cette histoire. Je suis ravi. Je tenais à remercier certains d'entre vous qui se sont abonnés à la page dès la première heure, on va dire. Donc je pense à... Alors je vais en oublier certains, évidemment, c'est obligé parce que vous êtes tellement nombreux. Mais je pense à Philos286, Fracatoun, Alex2X. Voilà, il y a Sacha, Nico aussi. Il y a plusieurs Nico, d'ailleurs ils se reconnaîtront pour certains. Et c'est vraiment super quoi. Et j'ai plein d'idées de vidéos pour vous, pour la suite. Certaines idées me sont soumises par vous-même, la plupart d'ailleurs. Et puis il y en a d'autres dont j'ai l'idée depuis un petit moment, que je peux pas forcément réaliser tout de suite. Mais ben voilà, ça va se faire tranquillement, on a de la matière. Allez, je vous emmène à un endroit où on est déjà passé une fois. Il n'y a pas tellement longtemps, mais c'est un endroit que j'aime bien, qui est sympa. Le lac des Bretonnières, pour les gens qui sont de la région de Tours, puisqu'il y a des gens de Tours qui commencent à regarder aussi un peu la chaîne. Voilà, je vais me garer là. Alors, on va se mettre là. Heureuse. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt. Allez, ciao !